Son Excellence a bien voulu nous recevoir et avec les chefs de circonscription administrative, nous sommes revenus sur les préoccupations que nous rencontrons au niveau de la région. La région du Sud-Ouest qui fait 4 provinces et 28 communes. À l'heure actuelle, il y a une seule commune qui n'est pas entièrement administrée. Il s'agit de la commune de Guguen. Nous sommes revenus en détail sur cette commune qui nous tient à cœur et nous avons fait des propositions pour que d'ici là, cette commune soit également administrée afin que le Sud-Ouest soit administré à 100%. Et Son Excellence a bien voulu nous écouter et en tout cas faire des propositions aussi. Nous pensons que les jours à venir, cette commune aussi va rentrer dans le rang pour que le Sud-Ouest soit restauré à 100%. Les chefs de circonscription administrative ont posé des difficultés aussi et qu'ils connaissent, notamment le problème de personnel. C'est une situation d'ensemble que la région connaît, que ce soit au niveau de l'administration, au niveau des services déconcentrés. Nous connaissons ce problème de personnel. Il y a également le problème des résidences, des bâtiments, des circonscriptions administratives au niveau des départements et des provinces. Et Son Excellence a bien voulu prendre note et nous a en tout cas rassuré que tous ces aspects-là trouveront des solutions les jours à venir. Avec le FDS, nous avons une bonne synergie. Nous le trouvons périodiquement pour faire le point de la situation sécuritaire et de nous projeter encore pour ce qui est à prendre comme mesure pour améliorer la situation. Son Excellence a salué cette initiative et nous sommes revenus encore sur nos zones difficiles. Nous sommes revenus sur en tout cas les difficultés que les FDS rencontrent et sur tout ce qu'il faut pour que d'ici là, ces FDS puissent aller au front encore et récupérer les petites zones et qui nous restent. Son Excellence nous a en tout cas rassuré qu'avec la création de BIR, parce que nous aurons aussi de BIR à Agawa et que cette semaine même, cette unité sera installée, ce qui nous permettra d'aller en tout cas dans ces zones, les petites zones dites difficiles et faire en sorte que la quiétude revienne au niveau de la région du Sud-Ouest.